Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420. Aujourd'hui, énorme vidéo sur les 30 os à localiser dans le jeu, les 30 os de dinosaures bien sûr. On commence par l'étape numéro 1 on va dire, c'est-à-dire l'inconnu, où le localiser pour lancer la quête en question. Une fois l'inconnu localisé et donc la quête lancée, je vous invite à avancer à 3 minutes pour la solution pour les plus pressés. Ceux qui veulent rester avec le gameplay, c'est-à-dire la petite discussion qu'on va avoir avec Deborah, vous pouvez rester avec moi. Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir! À la fin de cette discussion avec le PNJ Deborah, on apprend qu'on doit trouver 30 os de dinosaures, puis lui envoyer, puis après on aura notre récompense. On commence tout simplement par la localisation des 30 os de dinosaures. Je vous laisse avec la localisation. Courage à vous.
Yep. Easy now. Thank you.
Thank you.
Attention, petite note à savoir, arrivé au numéro 23, il faudra terminer le chapitre numéro 6, car le 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 se trouvent dans la zone d'Austin, et cette zone est en rouge tant que vous n'avez pas terminé le chapitre 6.
now. Alors, quand vous avez récolté les 30 squelettes de dinosaures, il faudra les envoyer dans un bureau de poste, n'importe lequel fera l'affaire. Good to have you. What do you got there? I'll get this to them right quick. Okay, then. Don't worry about this one. It'll stay safe. I'll do my best to get this to them quickly. This should be easy. Après avoir envoyé toutes vos lettres au bureau de poste, il faudra attendre un jour ou deux, puis revenir au bureau de poste pour recevoir votre réponse. Allez. Thank you.
Nous y voici enfin à la fin de la quête. Je vous ai localisé l'endroit où il faudra aller parler à Déborah pour finaliser et engranger nos récompenses. I'm a friend of Arthur's. He passed a few years back, unfortunately. Oh, sorry to hear that. I've been sending you the bones since then. Oh, I wondered why there was such a hiatus. Well, come in, come in! I cannot wait to show you the fruits of your labor. You'll be quite amazed. I was right, of course. Quite right. Lovely to see you. Here, just as I thought. Totalosaurus West, Elizabethus. The Elizabethan Megasaur. That's quite a monster. It'll change everything. It's incredible. Tail. Fins for swimming. 3 pairs of legs so we could run extra fast, even in mud. Large tusks for doing tusky type things. And long spines that acted as wings. They said I was a fool, a silly old woman. I was right all along. Oh, this is the happiest day since... Well, since my sister died. But that's another story. Thank you. I will, of course, share the credit. Oh, that's okay. I like to keep a low profile. Really? Yeah. I must give you something. Something valuable. Here, take this. The handle is genuine Stegosaurus bone. Wow, thank you. All the best. The same to you, sir. Encore merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo car 39 minutes, il faut le dire, c'est assez long. Je remercie beaucoup mes abonnés, mes nouveaux abonnés, franchement merci. On devient de plus en plus nombreux et ça me fait fortement plaisir. Merci à vous.